Bonsoir. Alors, je sais que certains l'ont vu, mais au cas où, on a mis la nouvelle programmation devant la porte et sur le présentoir. Sinon, merci d'être là, comme toujours. Alors, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Lassier, qui est directeur de recherche CNRS au laboratoire Paris-Jourdan Sciences économiques. Il a fait sa thèse sous la direction de Jacques Lesourne sur l'auto-organisation en économie. Il a travaillé en Conservatoire national des arts et métiers à l'université de Cergy-Pontoise, au California Institute of Technology, à l'école polytechnique, avant de rejoindre l'école d'économie de Paris en 2013. Ses travaux concernent principalement la théorie des choix collectifs et il enseigne la théorie économique de la démocratie à l'école normale supérieure. Ses recherches actuelles se situent à l'interface de la science politique et de l'économie théorique. Elles portent en particulier sur les comportements électoraux, abordés par l'observation, expérience en labo et sur le terrain, et la théorie, théorie du choix social, théorie des jeux. Il a en particulier travaillé sur l'élection présidentielle française, sur la question de la dose de proportionnelle, et il est actuellement observateur à la Convention citoyenne pour le climat. Ce soir, à travers sa conférence, M. Lassier nous présentera Voter autrement, comment le choix d'un mode de scrutin façonne la démocratie dans laquelle nous vivons. Donc avant de lui vous laisser la parole, je vous rappelle que la conférence durera entre 45 minutes et 1 heure, puis 30 minutes d'échange, sauf si ça dépasse bien sûr. Et ensuite, on sortira de la salle. Et avant de commencer, je vous demande d'éteindre vos portables, s'il vous plaît. Merci, bonne soirée. C'est bon? Ok. Donc, merci de l'invitation. Donc, on va parler d'élections et les premières diapos que je vous montre, je les utilise notamment quand je fais des présentations pour dans les écoles, pour les enfants, pour indiquer que la politique et les élections, c'est pas toujours négatif, c'est pas toujours des gens méchants qu'on élit, c'est pas toujours des. Il y a toute une kyrielle d'images négatives actuellement, maintenant, qui vont avec ça. Et en fait, voilà, peut-être que certains d'entre vous savent qu'est-ce que ça représente, ça. C'est un mets d'honneur, voilà, c'est un mets d'honneur qui, dans certaines régions, dans le Périgord, ça a été pris dans le Périgord, et hissé au-dessus de la mairie quand un nouveau maire a été élu et qu'on veut lui rendre hommage. Donc ça s'appelle un mets d'honneur. Et voilà, dans un petit village français, les élections peuvent être encore des choses qui sont plutôt joyeuses. Et c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on puisse élire comme ça un maire, et donc c'est normal de lui rendre hommage. Ce n'est pas toujours le cas. Et en tout cas, c'est toujours une affaire sérieuse. Alors voilà une autre image prise au moment d'une expérience que j'ai faite en Afrique. Et là, on voit dans un village, après beaucoup de retard, en fait, sous le soleil qui commence à taper fort, le village qui s'apprête à voter. Et ils sont bien habillés, ils ont mis leurs plus beaux habits pour ça. Et ils se sont mis en ligne, à commencer par pas le chef du village, mais la personne âgée dans le village, qui aura le premier l'honneur de voter. Et ils prennent ça très, très au sérieux, et ils ont bien raison, et même le fait que ce soit sérieux devient quelquefois dramatique. Voici une autre image prise à peu près au même moment, de quelque chose qui est très standard en Afrique, et ailleurs d'ailleurs, pas uniquement en Afrique, c'est que, eh ben, une fois élus, les gens cherchent à rester au pouvoir, et s'ils n'en ont pas le droit, eh ben, ils cherchent à modifier le droit pour pouvoir avoir un nouveau mandat. Donc vous avez toute une série de dirigeants africains qui ont fait ça, ont modifié la constitution pour pouvoir avoir un mandat de plus. Et donc les élections, quelquefois, sont. Alors, comme dans le Périgord, ça peut être assez sympathique, et puis quelquefois c'est vraiment dramatique. Par exemple, enfin, moi je ne connais pas très bien, j'étais de temps en temps, hein, mais ben, dans certains pays d'Afrique, le jour où on vote, comme vous avez vu, c'est très sérieux, mais c'est aussi assez tendu.
Et donc, on ne va pas trop dans la rue se promener dans la capitale parce qu'il y a beaucoup de policiers qui sont là. Et pourquoi? Tout simplement parce que c'est souvent à ce moment-là que se déclenchent les guerres civiles, hein. C'est au moment de l'élection ou juste après, quand il y en a qui contestent les résultats. Donc voilà un peu le background pour dramatiser la chose. Alors évidemment, on va parler de... Donc l'élection, c'est une petite chose dans un gros système, hein. C'est un élément parmi d'autres dans un système complexe qui doit être situé dans l'histoire passée, dans les conditions économiques et politiques présentes, qui implique des idées et puis qui implique toutes sortes de personnes, hein, les électeurs, les candidats, les médias, etc. Et qui implique des organisations. La justice, la partie, donc c'est un phénomène éminemment complexe, hein. Alors, nous, on va, enfin moi aujourd'hui, là, je vais vous faire un exposé qui est tout à fait restreint à ça. Donc, élire, c'est choisir entre plusieurs, hein. Et il y a, au moins en politique, il y a deux cas polaires, hein. Il y a le cas où on choisit une seule personne, donc typiquement l'élection, par exemple l'élection présidentielle française, c'est exactement ça, hein. Où, en dehors de la politique, on doit prendre une décision unique. Donc on se réunit, il faut qu'on prenne une décision. Ce n'est pas la question de prendre deux décisions incompatibles, il y a une décision à prendre. Et puis il y a un autre cas polaire qui est tout aussi important, c'est élire une assemblée, hein. Donc élire plusieurs personnes. D'accord? Alors il y a le cas politique, sur lequel je reviendrai peut-être un tout petit peu, mais pas beaucoup. Ça dépendra du temps. L'élection de l'Assemblée nationale en France, par exemple. Et puis, il y a aussi des cas qui sont logiquement proches de ça. C'est quand vous posez la question, quel menu proposer, par exemple. Hein, voilà, logiquement, et ça. Et malheureusement, il se trouve que les élections qui sont souvent les plus importantes dans de nombreux pays, c'est l'élection de l'Assemblée nationale, mais via un système où on choisit une seule personne. Donc ça ajoute un étage de complexité parce que ça touche aux deux choses. Donc dans beaucoup de pays, y compris la France, on a des systèmes qui ne sont pas proportionnels, où on élit par district une personne. Donc il s'agit d'élire une personne, d'accord, mais pour constituer une assemblée. C'est un peu entre les deux. Mais le cas logiquement le plus pur, c'est le premier. Quand on a une et une seule décision à prendre, hein. Donc on va s'intéresser à ce petit bout, les modes de scrutin pour élire une personne. Je vais vous présenter très peu de théorie, mais des observations et des expériences. Je commence par quelques remarques pour introduire le sujet et présenter les diverses sortes d'expérimentations sur le sujet, auxquels on a recours, expérience sur le terrain, en laboratoire ou en ligne. Alors, donc voilà, on fait de la politique expérimentale, on fait de la science expérimentale en politique. Alors, c'est pas les sciences dures, hein, c'est les sciences sociales, les sciences molles, comme on dit. Alors, les modes de scrutin, donc on distingue les effets mécaniques, qui est comment on décompte les bulletins. D'accord? Alors, quelquefois, il n'y a pas 36 solutions pour décompter les bulletins. Quand un bulletin, c'est juste un nom, on n'a rien d'autre à faire que de compter le nombre de fois où chaque nom apparaît. Mais quelquefois, c'est un peu plus subtil. Et donc, ça, ces effets mécaniques, on peut les étudier mathématiquement. Moi, au départ, je suis plutôt mathématicien, hein, et beaucoup de gens ont fait ça. Mais en plus des effets mécaniques, dit mécanique, il faut comprendre comment les électeurs utilisent ces modes de scrutin, parce que les électeurs, ils sont intelligents, ils réfléchissent, et ils ne se contentent pas de traduire un peu au plus près ce qu'ils pensent via l'espèce d'ultra-résumé qu'on leur propose, qui est un bulletin. D'accord? Ils en font un usage un peu plus sophistiqué, on verra. Donc comment les électeurs utilisent ça, et puis aussi comment les partis s'adaptent, hein, parce que les bulletins ne viennent pas de nulle part, et donc la question de la compétition électorale entre les partis, c'est central pour la théorie politique des élections, hein. Alors évidemment, il faut faire des allers-retours entre la théorie et l'observation,
Et ici, aujourd'hui, je vais m'intéresser aux électeurs. Donc, je vais vous présenter des méthodes expérimentales d'observation des comportements des électeurs. D'accord? Et vous verrez que ces méthodes d'observation, comme je les qualifie pour l'instant, sont intermédiaires entre de la théorie, il y a effectivement de la théorie, il y a des idées théoriques derrière, et puis juste la description de la réalité. D'accord? Donc ça s'écarte un peu de la méthode traditionnelle en sociologie politique qui est de décrire ce qui se passe et de comparer les différents pays. Hein. Beaucoup de travail, normalement, c'est la politique comparée. Donc ici, c'est pour ça que j'utilise le mot expérience, vous allez voir, il y a des idées théoriques qu'on essaye de faire jouer pour les comprendre mieux. Alors, les méthodes d'expérimentation en sciences politiques, il y a toutes sortes de choses. Et évidemment, le plus beau, c'est les expériences pour de vrai. Ça, c'est assez rare d'avoir des cas comme ça, mais de temps en temps, on a vraiment des situations dans lesquelles on a un dispositif qui vient d'idées, qui vient de la théorie, et qui est testé dans des circonstances réelles pour prendre des décisions réelles. Alors, un exemple un, ou deux. Exemple typique, c'est les assemblées citoyennes qui ont eu lieu dans différents pays, et notamment en Colombie-Britannique début des années 2000, pour changer le mode de scrutin. Donc là, on avait quelque chose qui venait d'idées. Qui venait d'idées, hein, qui venait de ce qui avait été écrit par des profs ou des chercheurs, et qui était, on pourrait peut-être changer le mode de scrutin. Et donc, la question est de savoir, est-ce que les gens seraient d'accord, est-ce que oui, non, est-ce qu'on va le faire ou pas? Et donc, pour ça, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont décidé que on allait constituer ce qu'on appelle une assemblée citoyenne, donc des gens tirés au sort, qui allaient passer pas mal de temps pour étudier la question, être informés par des gens des différents milieux, des gens du milieu politique et universitaire, pour savoir qu'est-ce qui était possible et décider ce qui serait proposé au vote de la société. Hein, donc l'idée, c'était un peu ça. Et donc ces choses sont extrêmement intéressantes, c'est extrêmement riche, c'est souvent bien documenté. La mieux documentée de ces expériences, donc c'est en Colombie-Britannique. Mais actuellement, vous avez un peu ça en France avec l'Assemblée citoyenne pour le climat qui travaille en ce moment pour que des gens qui ont été tirés au sort s'informent. Fassent usage de leur bon sens hein, pour à conclure qu'est-ce qu'il faudrait proposer comme changement dans les lois et le pilotage du pays pour, dans ce cas-là, diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça, c'est des expériences assez extraordinaires parce que les décisions sont des vraies décisions. Hein. Malheureusement, c'est assez rare qu'on puisse faire ça, et donc ce que je vais vous décrire, c'est pas ça. Donc ce sera des expériences pour de faux, hein, en quelque sorte. Alors, je passerai un certain temps à parler d'expériences qu'on appelle quelquefois in situ, sur place, à propos des modes de scrutin. Donc on fait ça depuis l'élection présidentielle française de 2002, et donc l'idée, c'est au moment d'une vraie élection, et si possible d'une élection importante, mais pas forcément, mais. C'est mieux avec une élection importante, par exemple l'élection présidentielle ici, dans certains bureaux de vote, proposer aux gens, en plus évidemment de leur vote officiel, à côté, comment vous voteriez si le mode de scrutin c'était celui-là. Alors ça implique d'expliquer avant ce qui va se passer, okay, puis ça implique d'analyser après ce qu'on a obtenu, mais c'est ça l'idée de base, donc je vais revenir là-dessus. Un petit peu la même chose peut se faire en ligne, c'est-à-dire on peut faire des sites web dans lesquels les gens viennent, s'informent sur ce qui existe et votent pour de faux en quelque sorte, à l'occasion d'une vraie élection. Et puis aussi, on fait des expériences en laboratoire. Je ne sais pas si vous
connaissez ce genre de choses. La tradition en psychologie expérimentale, en économie expérimentale et aussi en politique, on peut faire ça. Donc je vous expliquerai un peu ce que j'entends par expérience électorale en laboratoire. Je vais passer ça. OK. Alors, moi j'ai passé pas mal de temps à faire ça, mais c'est pas moi qui ai inventé tout ça. Donc très rapidement, d'où ça vient, ces idées souvent viennent des théoriciens. Et assez, de manière assez amusante, ça vient souvent de mathématiciens, ou de gens qui ont des formations mathématiques, ou au moins de sciences dures. Il y a toujours des idées bizarres, mais quelquefois c'est les idées bizarres qui sont les idées originales et qui font avancer les choses. Donc dans les années 80, on a commencé à faire des expérimentations en laboratoire, qui étaient très proches de la théorie mathématique du vote. On a commencé à faire des expériences dans des cadres un peu restreints et proches de notre monde, donc par exemple dans les cercles universitaires, par exemple pour l'élection du conseil de la société de choix social, Social Choice and Welfare Society, c'est la société qui s'occupe de ce genre de choses, la société savante qui s'occupe de ce genre de choses. Donc là, quand on vote et puis on joue avec les modes de scrutin et on essaye d'analyser ce qui se passe. Et puis, à partir de la présidentielle française de 2002, avec quelques collègues, on a commencé à faire ces expériences sur le terrain qu'on a répétées depuis bah, ça fait maintenant 18 ans. Voilà. Et donc ça, c'était un peu le début. Et évidemment, il y a quand même des professionnels de la science politique. Hein, donc il ne faut pas que les mathématiciens et les économistes essayent de faire les choses sans eux. Et donc moi, j'ai toujours essayé de travailler avec des gens en sciences politiques. Et je l'ai fait. Et notamment, c'est une assez bonne manière de faire de l'interdisciplinarité, de travailler des gens avec des autres disciplines, quand on a quelque chose à faire en commun, et ne pas se contenter de chacun d'expliquer à l'autre que ce qu'on fait, c'est vachement bien. Donc, si on peut faire des choses en commun, monter des manips en commun, c'est vraiment l'idéal. Et c'est exactement ce qu'on fait là. Ce que je vais vous raconter, c'est des expériences qui nécessitent élaboration et construction du protocole. Et ça peut se faire, et ça se fait maintenant, avec des gens en sciences politiques. Par exemple, là, je travaille avec Nicolas Sauger, qui est en France, ou André Blé, qui est un grand spécialiste canadien de sciences politiques. Alors, donc voilà, on a répété ces choses qu'on a fait en 2002 en améliorant les choses. Je commence très rapidement, parce que c'est peut-être le plus bizarre, et ça va aller assez vite, à vous dire qu'est-ce que c'est expérimenter en laboratoire. Donc, les participants jouent le rôle d'électeurs, hein, et les candidats, par contre, sont fictifs. C'est, disons, A, B, C, D. Chaque participant connaît sa propre grille de rémunération et celle des autres participants. Rémunération, ça veut dire qu'ils vont être payés à la fin, d'accord ? Ces rémunérations sont normalement en argent, donc en euros. On peut aussi utiliser des rémunérations symboliques. Pour, par exemple, dans l'enseignement, on peut faire ça. Hein. Moi, j'utilise des chouquettes. C'est à mi-chemin entre le réel et le symbolique, mais ça peut marcher aussi. Et donc, c'est la tradition de l'économie expérimentale. Pour pouvoir, donc, l'idée d'expérimentation, il y a l'idée de contrôle. Hein. On manipule les choses en les contrôlant. Donc ici, l'objet à contrôler, c'est qu'est-ce que, entre A, B, C, qu'est-ce qu'un tel veut voir élu, qui veut voir choisi ou élu, d'accord ? Et pour ça, bah, il n'y a rien de plus simple. On dit au premier participant, bah, si c'est le candidat A qui gagne, tu gagneras 15 euros, et si c'est le candidat B, tu gagneras 10 euros. Et donc, on en contrôle que, en fait, lui, ce qu'il préfère, c'est gagner 15 euros plutôt que 10. Et donc, ça marche très bien. C'est un peu le principe de l'économie expérimentale qu'on utilise ici. Alors, c'est pas si simple que ça. Et en un slide, je vous montre l'exemple d'une expérience qui marche extrêmement bien. Toutes les expériences ne marchent pas forcément très bien. Celle-là, elle marche très bien. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que vous allez comprendre tout de suite le dispositif. Donc, il y a 21 personnes dans la salle. Hein, on fait un groupe de 21 personnes.
Et on leur dit, voilà, sur la ligne de 0 à 20, vous voyez, il y a 21 positions, n'est-ce pas? Et chacun d'entre vous est à une et une seule de ces positions. D'accord? Et il y a des candidats. Alors, il y a cinq candidats. Un qui se trouve à la position 1, disons le candidat A. Le candidat B qui se trouve à la position 6. Le candidat C qui est au centre à la position 10. Le candidat D qui est à droite à la position 15. Et le candidat ABCDE qui est à la position 19, en position extrême sur cette ligne. D'accord? Et le jeu auquel on va jouer, c'est que vous allez voter pour élire un de ces cinq candidats, d'accord? Et on précisera la manière dont on va voter, mais le résultat, ce sera toujours qu'il y a un candidat qui est élu. Et à ce moment-là, vous allez gagner de l'argent, et si le candidat élu, il est très proche de vous, vous allez gagner beaucoup, et s'il est loin, vous n'allez pas gagner beaucoup. Hein? Donc par exemple, donc précisément, si le candidat élu est le candidat B, le participant se trouve être à la position 11, il a une distance 5 du candidat élu. Donc il va gagner précisément 20 euros moins 5, soit 15 euros. D'accord? Donc vous voyez, on joue avec ce petit protocole quelque chose qui résonne évidemment dans la tête de gens, parce qu'on reconnaît l'axe gauche-droite. Et on voit que les candidats, ils sont plus ou moins bien pour un tel. Et aussi, on sait avec de cette manière-là ce que les autres veulent. D'accord? Ce qui n'est pas toujours facile de comprendre. Donc on contrôle comme ça tout ce qu'on a envie de contrôler. Après, on présente les différents modes de scrutin. Alors dans le cours de l'exposé, je reviendrai souvent sur les modes de scrutin. Ici, vous voyez, c'est un exemple de résultat qu'on obtient dans cette expérience fait avec quatre modes de scrutin différents. Sur la première colonne, c'est le mode de scrutin à un tour. Hein, c'est le mode de scrutin souvent anglais et américain. Hein, donc il n'y a pas de deuxième tour, on vote et celui qui reçoit le plus est choisi. Point barre. Ensuite, vous voyez le système à deux tours, système français que vous connaissez tous parfaitement bien. La colonne suivante, c'est ce qu'on appelle le vote par approbation. Le vote par approbation, c'est un système qui est souvent utilisé, qui est souvent étudié par les théoriciens, mais qui n'est pas utilisé en pratique, ou très extrêmement rarement, et qui consiste à pouvoir voter pour autant de candidats qu'on veut. Donc, si vous avez... Par exemple, si vous avez envie de voter pour le candidat B, mais vous pensez qu'il n'a aucune chance, ben, ce n'est pas gênant, vous pouvez quand même voter pour le candidat B, parce que ça ne vous empêche pas de voter pour le candidat que vous préférez parmi ceux que vous avez une chance de faire gagner. D'accord? C'est le principe du vote par approbation. Et la dernière colonne, c'est le vote alternatif. Le vote alternatif, c'est un peu plus compliqué à expliquer comme ça. Avec le système à un tour et le système à deux tours, c'est pratiquement le seul système qui est utilisé dans certains pays. C'est le système qui est utilisé en Irlande, à Malte, en Australie et à quelques autres endroits. C'est un système qui prolonge en quelque sorte le système à deux tours. Il s'appelle quelquefois instant runoff en anglais et il fonctionne pour l'expliquer. Je vais vous l'expliquer de la même manière que on l'explique dans ces expériences, puisqu'il est primordial, et quand on fait ce genre d'expérience, que tout le monde comprenne bien ce qui se passe. Hein? Donc voilà comment ça fonctionne. Il y a les cinq candidats A, B, C, D, E. Donc on demande aux électeurs de classer les cinq candidats. On demande à chaque électeur de classer les cinq candidats. Donc la forme du bulletin, c'est mon préféré, c'est celui-là, mon deuxième, c'est celui-là, mon troisième, c'est celui-là, mon quatrième et mon cinquième. Okay? Après ça, on reçoit ces bulletins et donc on regarde les premières préférences. Donc si votre candidat préféré c'est le candidat C, pour l'instant vous êtes avec le candidat C. Et donc on fait 5 tas de bulletins correspondant aux premières préférences. À ce moment-là, on regarde quel est le tas le plus petit, c'est-à-dire qu'on regarde quel est le candidat qui a reçu le moins de première préférence.
Et alors, ces bulletins sont redistribués aux autres candidats suivant les deuxièmes préférences. C'est-à-dire qu'en fait, on élimine un candidat et on transfère les voix qui s'étaient portées sur ce candidat sur le candidat suivant. Donc, du point de vue de l'électeur, ce classement des candidats, c'est un peu des instructions conditionnelles. Moi, je vote d'abord pour un tel. Donc, comptez-moi d'abord pour un tel. Mais si jamais il n'est pas dans la course, je veux que mon vote soit compté pour un tel. D'accord? Et si jamais les deux sont pas dans la course, eh ben, comptez-moi pour mon troisième. D'accord? Etc. Donc, c'est un système qui est pas idiot. Vous voyez, ça ressemble un petit peu. Le deux tours, ça ressemble un petit peu à ça. Hein, sauf que là, en fait, on fait 3, 4, 5 tours. D'accord? Et puis, on le fait instantanément parce qu'il n'y a pas de délai entre les. Voilà, donc ce système est assez attrayant. Il y a beaucoup de gens qui militent pour qu'on utilise ce genre de système. Ça peut être un peu compliqué à dépouiller. Par exemple, en Irlande, vous voyez, avant qu'ils annoncent qui est élu pour la présidence de la République irlandaise, de la République d'Irlande, il y a plusieurs jours parce qu'il faut annoncer aux différents endroits dans les différents salles où les gens ont voté, et il y en a des milliers. Ah, attention, il faut recompter maintenant. Donc il y a les décomptes successifs. Quelque chose qui est complètement similaire que vous avez peut-être vu ces jours-ci, c'est ce qui se passe aux États-Unis dans certains caucus pour les élections primaires, où donc les gens viennent physiquement là, dans des salles. Et ils se placent derrière le drapeau du candidat qu'ils veulent soutenir. Et à ce moment-là, si il y a un candidat qui a très peu de voix, alors il y a des règles un peu précises, mais s'il y a un candidat qui a très peu de voix, on dit, bah, écoutez, vous, il faut changer. Alors, dans ces cas-là, les gens, donc vous avez le groupe là, des 30 personnes qui s'étaient portées sur monsieur ou madame X, qui vont physiquement se déplacer dans la salle et aller se mettre derrière un autre drapeau. Donc les autres viennent et puis viennent les persuader. Et voilà. C'est ce système-là. OK. Alors évidemment, la question à 100 balles, c'est mais est-ce que ces différents systèmes ont des conséquences? D'accord? Est-ce que c'est les mêmes personnes qui sont élues ou pas? Alors voilà un exemple de résultat qui est choisi, non pas parce que c'est toujours comme ça, hein, il n'y a pas de règle absolue dans le domaine, mais c'est quand même particulièrement frappant pour les idées que je vais avancer par la suite. Alors, ici, vous vous rappelez les cinq candidats, il y avait deux candidats extrêmes, deux candidats modérés et un candidat centriste, hein, c'était très simple. Alors déjà, vous voyez, ça reprend les résultats de quelques sessions expérimentales, les candidats extrêmes, sous aucun système, ne sont élus. Ils ne sont jamais élus. D'accord? C'est plutôt assez intuitif. Ça aurait été très surprenant. Le contraire aurait été bien surprenant, étant donné ce qu'on fait. Donc, voilà. Alors après, c'est un peu plus compliqué. Avec le système à un tour, vous voyez que la moitié du temps, c'est le centriste qui gagne, et la moitié du temps, c'est un modéré de gauche ou de droite. D'accord? Pourquoi? Parce que, en fait, on répète les élections. Au départ, si vous faites juste le truc en un coup, les gens, évidemment, ils sont embarrassés parce qu'ils ne savent pas pour qui ils veulent voter, parce qu'ils ne veulent pas perdre leur voix sur quelqu'un qui n'a aucune chance. D'accord? Et donc, il faut laisser le temps qu'ils réalisent qui a une chance, qui n'en a pas. D'accord? Donc, ces expériences-là, toujours, on les répète, on vote, on annonce les résultats, on vote, on annonce le résultat, etc. D'accord? C'est essentiel. Alors quand on fait ça, et bien très naturellement, et ce qui se passe, c'est assez simple. Dans le système à un tour, les votes vont se rassembler sur deux candidats, en fait. Parce qu'à un moment, petit à petit, on va voir qu'il y a seulement deux candidats qui ont une chance, et donc les autres vont déserter ces candidats. Voilà. Le problème, et c'est ça qui est assez pervers, c'est que les deux candidats en question, et bien quelquefois, c'est les deux candidats modérés. Et quelquefois, c'est le candidat centriste et un candidat modéré. Quand c'est le candidat centriste et un candidat modéré, à la fin, c'est le candidat centriste qui gagne. Assez logiquement, vous voyez. Et quand c'est les deux candidats modérés, le candidat centriste ne gagne pas parce que les gens considèrent que ce n'est pas la peine de voter pour lui parce que lui, il n'a aucune chance. Il vaut mieux choisir entre les deux
les deux candidats sérieux. Et donc on arrive à ce résultat un peu bizarre qui est que quand on fait les statistiques comme ça, vu l'extérieur, on a envie de dire bah, c'est aléatoire, il y a une chance sur... On ne peut pas prédire le résultat, il y a une chance sur deux que ce soit ceci ou, une chance, ou cela. Et dans les salles où ça se produit, c'est exactement l'impression inverse que les gens ont. Dans les salles où par exemple, le candidat centriste n'est pas élu, eh ben, les gens ont l'impression que c'est inéluctable. Et donc, ils disent des choses, c'est pas très amusant votre truc, parce qu'on voit bien que le candidat centriste, il peut jamais être élu avec votre histoire. D'accord ? Et en fait, c'est pas vrai, puisque dans la pièce d'à côté, les histoires initiales ont été un petit peu différentes, et le résultat final est différent. Donc, c'est un exemple, en sciences sociales, de dépendance au chemin. Hein. Suivant le détail de ce qui se passe, la dynamique fait que ça se bloque dans une situation ou dans un autre, ou dans une autre. Okay. Dans le système à deux tours, avec les préférences que j'ai là, il se produit en fait la même chose. Les votes se concentrent sur trois candidats, en réalité, au lieu de deux, hein, pour qui va aller au deux. Quels sont les deux qui vont aller au deuxième tour. Mais in fine, il y a le même genre de phénomène, et une fois sur deux, c'est le centriste, une fois sur deux, c'est pas le centriste, avec cet exemple-là. Alors, les résultats suivants sont très frappants. Le vote par approbation, vous voyez que dans cette série d'expériences, c'est toujours le candidat centriste qui est élu. Et dans le cas du vote alternatif, du transfert de vote, c'est jamais le candidat centriste qui est élu. Alors, donc le dernier résultat est très surprenant quelquefois. Les gens sont surpris. Mais quand on regarde ce qui se passe... C'est très facile à comprendre et c'est toujours la même chose qui se passe. Ce qui se passe, c'est tout simplement que les premiers candidats à être élus, c'est les candidats, excusez-moi, à être éliminés, c'est toujours les candidats extrêmes. Mais à ce moment-là, comme les voix des électeurs qui avaient voté pour les extrêmes sont données à leur deuxième préférence, ces électeurs-là, leur deuxième préférence, c'est jamais le candidat centriste, c'est toujours les candidats modérés. Donc au début, dans les deux premiers tours d'élimination, les candidats modérés font le plein des voix extrêmes, d'accord, et le candidat centriste, lui, ne reçoit aucune voix. Donc c'est un exemple typique du laminage, ce qu'on appelle le laminage du centre, qui s'est produit souvent dans la politique française. Hein, donc en France, on comprend assez bien ce truc-là, c'est pas systématique, hein, mais ça se produit de temps en temps. Et là, ça le fait de manière quasi mécanique. D'accord ? Ça le fait tout le temps. Et ex post, on comprend très bien. Évidemment, les gens dans la salle, ils ne comprennent pas ce qui se passe, mais voilà, bien qu'ils aient compris le mécanisme de la règle. Preuve que c'est un peu... Savoir qu'est-ce que ça veut dire comprendre une règle de vote, quelquefois, c'est un peu plus subtil qu'on ne le pense. En tout cas, voilà. Et pour le vote par approbation, vous voyez que là, le candidat centriste est toujours élu. Ben, pourquoi ? Parce que si se dessine une situation dans laquelle, un peu comme dans les autres cas, ce serait pas le centriste qui est élu, par exemple ce serait un modéré, et bien dans ces cas-là, les électeurs de l'autre, qui, par exemple si c'est le candidat de gauche qui va être élu, les électeurs de droite vont aussi naturellement voter pour leur candidat de droite et pour le candidat centriste. D'accord ? Parce qu'il est quand même meilleur pour eux que le candidat de gauche. Et donc, comme ça, l'addition de ces voix va faire que, finalement, il n'y a que le candidat centriste qui peut gagner. D'accord ? Donc, c'est pas complètement systématique, mais c'est un effet qui est assez fort et qu'on retrouve très souvent. Et je reviendrai beaucoup sur cet effet dans la suite. Alors, pourquoi ces différences ? On essaye de synthétiser, enfin j'essaye de synthétiser les choses, c'est pas forcément évident. Donc je distingue deux principes qui gouvernent le vote. Un principe c'est le principe du ralliement et l'autre c'est le principe de la pondération quand on fait des décisions. Alors le principe du ralliement, bah, c'est un peu comme dans le système à un tour, c'est qui, vous êtes derrière qui, d'accord ? On exige que vous soyez derrière une personne. C'est un peu le système du vote transférable dans les caucus américains. Là, vous avez vu ça en Iowa, où les gens, ils se rallient à un candidat, puis quand il n'est pas bon, ils se rallient à un autre. D'accord ?
Et on continue comme ça. Les lecteurs se rangent derrière le candidat de son choix. Donc il y a des techniques différentes. La technique la plus bête, c'est de dire, ben voilà, vous êtes avec qui, puis on compte. Ça, c'est le vote uninominal simple. Et puis il y a des techniques un peu plus sophistiquées où on élimine progressivement. Et le vote à deux tours, c'est un peu ça. On commence par se ranger derrière un candidat, mais c'est provisoire parce que à partir de ça, on se dit, bon, ben on va en sélectionner deux, et là, vous rangez derrière qui? D'accord? Ces systèmes sont toujours des systèmes dits majoritaires, hein, parce qu'on s'arrête quand il y a 50% de la population qui est derrière quelqu'un. D'accord? Un peu plus subtil, c'est ce que, la règle de Buckling, qu'on appelle quelquefois majoritarian compromise, une variante que vous, dont vous avez peut-être entendu parler, parce qu'en France, on en parle de temps en temps, c'est le jugement majoritaire. C'est l'idée qu'un candidat qui satisfait au mieux 50% de la population, en fait 50-51, un peu plus de 50%, on va l'élire. Donc on cherche des astuces pour pouvoir dire, tiens, il y a 50% de la population qui est attribuée à un tel. D'accord ? Donc ça, c'est différentes techniques de ralliement. Et les techniques de pondération sont assez différentes. Par exemple, là, vous avez peut-être entendu parler, et peut-être utilisé aussi, la règle de Bordas, qui est quelque chose qu'on utilise de temps en temps pour prendre des décisions en groupe. Donc, s'il y a par exemple quatre candidats ou quatre propositions sur la table, on demande aux gens de noter ces propositions et on donne 4 points pour la proposition que quelqu'un préfère, 3 points, 2 points, 1 point. D'accord ? Et on fait le total. Donc ça, c'est la règle de Borda. Et évidemment, on choisit l'alternative, la proposition qui a le plus de points. Le vote cumulatif, c'est un peu la même chose. Il y a un nombre, un stock de points fixes que les gens peuvent distribuer entre les candidats. Le vote par note, ce qu'on appelle le vote par note, c'est peut-être encore plus commun parce que c'est la manière dont on note avec des nombres, hein, par exemple entre 0 et 20, puis on fait les moyennes. Donc on demande à chaque électeur de noter chaque candidat, okay, ce qui revient à mettre des poids sur ces différents candidats, et il le fait librement. Donc s'il veut donner 20 sur 20 à tous les candidats, il peut. S'il veut donner 0 à tous les candidats, il peut aussi. Dans les deux cas, ça ne sert à rien, mais peut-être que ça lui sert à s'exprimer, mais ça ne change pas le résultat. Et donc voilà, l'échelle de notation est utilisée librement. Donc ça, j'appelle ça le vote par note. Et le vote par approbation, dans lequel que je vous ai mentionné précédemment, ça fait partie de cette catégorie. C'est une sorte de mini-échelle de notes où la note, c'est soit 0, soit 1. Alors, c'est tellement simple qu'on ne sait pas très bien s'il faut appeler ça plutôt de technique de pondération, parce qu'il n'y a pas vraiment de pondération du point de vue de l'électeur entre les candidats. Mais en fait, on verra, enfin, on a réalisé petit à petit qu'il fallait quand même le ranger dans cette catégorie. C'est quelque chose qui ressemble tout à fait à ce genre de choses. Alors, c'est vrai que dans les élections politiques, on a utilisé, jusqu'à présent, toujours des méthodes de type ralliement. À un tour, à deux tours, le vote transférable, c'est les trois méthodes qu'on utilise actuellement. La règle de Buckling a été utilisée assez fréquemment aux États-Unis, mais maintenant, on ne l'utilise plus. Elle a été abandonnée partout, je crois. Alors que quand on prend des décisions de type coopératif à plusieurs, on cherche souvent des choses plus de pondération. Et donc l'idée, et une des idées centrales de l'exposé d'aujourd'hui, c'est pourquoi ne pas utiliser en politique des méthodes de vote pondérées, comme ça, des méthodes de pondération. L'idée est assez naturelle, hein. Des tas de gens ont eu cette idée, évidemment, mais là, on a essayé de voir comment les gens réagiraient à ça. Ok, alors, les systèmes par note, donc qui sont typiquement les systèmes flagrants, pondérés, ont tendance à favoriser les candidats consensuels. Ça, c'est quelque chose qui est assez intuitif, hein, parce que un candidat qui est souvent le deuxième préféré, hein, eh bien, il va recevoir beaucoup de points, pas forcément à chaque fois le maximum de points de chaque électeur, mais s'il y a beaucoup d'électeurs qu'il ne trouve pas mauvais, il va quand même recevoir beaucoup de points. Donc, c'est ça l'idée de base. Et c'est complètement intuitif, c'est pas compliqué, et les gens d'ailleurs comprennent ça très bien.
Alors, on peut laisser libre l'utilisation de l'échelle de notes. Quelquefois, les gens disent, ah, mais c'est bizarre parce que si je peux noter tous les candidats, moi, si je donne 5 à beaucoup de candidats et que mon voisin il donne 3 à beaucoup de candidats, finalement, moi, j'aurais donné plus de points que lui. C'est vrai, mais qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire simplement que vous avez envie de donner plus de points, vous avez le droit, c'est pas gênant, hein. Donc, il n'y a aucun problème à laisser libre l'échelle de notes, hein. En fait, il y a plutôt des problèmes à ne pas la laisser libre d'ailleurs. Comme je disais avant, on verra pourquoi surtout, le vote par approbation doit bien être classé dans la catégorie des systèmes par notes. Et une question qui se pose naturellement, c'est ces échelles de notes, lesquelles sont bonnes et lesquelles sont moins bonnes. Hein, donc l'idée, la première idée, c'est que si vous avez une échelle de notes qui est large, de 0 à 20, eh bien les gens qui ont tendance à exagérer leur opinion ou leur volonté, eux, ils vont utiliser que des 0 et des 20. Et c'est vrai que du coup, ils auront plus de poids que les gens qui veulent mettre plutôt 7, 8, 9, 10, 11, 12. D'accord? Donc c'est un souci qu'il y a avec les grandes échelles. Est-ce que c'est très important ou pas? C'est une question empirique. Hein? Logiquement, c'est vrai que ça existe et ça pose un problème. Mais empiriquement, est-ce que ça a des conséquences ou bien est-ce que finalement non? C'est une question ouverte. Une autre question, c'est l'interprétation des notes négatives. Donc, vous pouvez penser, si vous êtes un peu, si vous avez un esprit un peu mathématique, que si on met l'échelle de notes 0, 1, 2, c'est la même chose que l'échelle de notes moins 1, 0, 1. Hein? C'est la même chose. Oui, il suffit que tous les gens qui mettent 2 dans un cas mettent 1 dans l'autre, tous les gens qui mettent 0 mettent moins 1, etc. Le problème, c'est que ça ne se passe pas comme ça, d'accord? Et empiriquement, on observe que ces deux systèmes de notes ne sont pas équivalents. D'accord? Donc, est-ce que les différences sont importantes, etc. Voilà le genre de questions auxquelles on essaye de répondre justement empiriquement et en comprenant. Et c'est vrai que là, la théorie, par exemple, elle ne sert à rien, hein, parce qu'il faut bien voir ce qui se passe. Alors, j'avance un peu sur le vote par approbation qui échappe à la critique de la longueur des échelles, parce que là, les échelles, c'est carrément 0, 1, donc ça ne peut pas être plus petit, et ainsi qu'à la question des notes négatives. Bon, vous votez pour un candidat ou pas, c'est simplement ça. Donc, il est souvent étudié par les théoriciens. Donc là, il y a une énorme littérature là-dessus, hein. Il n'est pratiquement jamais utilisé en politique, mais depuis quelques mois, il y a la ville de Fargo. Si vous regardez les séries télé, vous connaissez Fargo dans le North Dakota du Nord, qui a officiellement adopté ce système pour ses élections. Donc c'est pas complètement absurde, hein. C'est pas du délire de théoricien, c'est envisageable et on peut même quelquefois convaincre les gens d'adopter ce système. Alors c'est une sorte de vote par note avec une échelle minimale peu expressive. Donc les gens, quand vous proposez un système comme ça, évidemment, les gens se posent à eux-mêmes la question, ok, mais bon, je vais certainement approuver le candidat que je préfère. Ah, est-ce que j'approuve mon deuxième, mon troisième ou pas? Et là, il n'y a pas de réponse théorique. Les théoriciens qui ont essayé de trouver la réponse à ça, ça ne marche pas bien du tout. Donc, c'est aux gens de décider. Hein, d'accord? Donc, il y a une sorte de responsabilité de l'électeur, d'accord, qui ressemble pas mal à la responsabilité que l'électeur prend quand il décide finalement, ben, moi cette fois-ci, je vais voter utile, je vote pour un tel. Simplement, c'est plus facile, parce qu'on peut voter à la fois utile et agréable, si vous voulez. Hein. Mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même une décision à prendre. D'accord? Alors que si vous demandez aux gens de classer les candidats, par exemple, il y en a beaucoup des gens qui vont dire, ah oui, c'est vraiment bien votre système parce que il suffit de les classer. Vous me demandez de les classer dans mon ordre de préférence, ben, je vais le faire. C'est facile. Et donc c'est un avantage. Les gens pensent que c'est plus expressif, peut-être, mais c'est surtout une différence. C'est-à-dire que dans le vote par approbation, il y a quand même une responsabilité de l'électeur. Il faut qu'il s'implique. Il faut qu'il décide de soutenir
tel ou tel candidat. Et il ne peut pas se cacher devant l'idée, qui est quand même une idée assez naïve, que le vote, eh ben, l'idéal, c'est qu'on puisse simplement dire ce qu'on pense. Et puis après ça, au dépouillement, advienne ce qui pourra. Et ça, c'est très naïf comme idée. Hein. Pour voir que c'est naïf, par exemple, vous pouvez constater que si vous demandez de classer les candidats, il y a mille et une manières de dépouiller ces bulletins. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, on peut compter les points, comme à la règle de Borda. On peut regarder les premières préférences et faire des opérations successives. Et tout ça donne des choses différentes. D'accord? Évidemment, on ne peut pas demander aux gens d'anticiper tout ça. Et donc, quand vous proposez aux gens de classer les candidats, c'est une méthode qui est très attrayante, ça satisfait le besoin d'expression, mais ça a aussi des inconvénients. Ok. Alors, les expériences, donc voilà un peu le cadre un peu théorique avec ça. 45 minutes, ok. Alors, donc je continue encore un quart d'heure, puis après ça, on pourra discuter si vous avez des questions. Donc les expérimentations in situ, et on fait ça le jour du vote dans les bureaux de vote. Alors au début, c'était extrêmement difficile d'obtenir la permission parce que le maire nous disait: ah, mais je ne peux pas vous autoriser à faire ça. En fait, il peut. Et à partir du moment où on a pu dire: ah, mais ça a été fait ailleurs, il n'y a pas de problème, ça va. Et on a fait ça surtout en France, mais dans différents autres pays. Donc on fait un espèce de bureau de vote fictif avec des urnes, des isoloirs et tout ça. On fait des réunions pour expliquer ce qui se passe. Et après ça, on fait des réunions pour expliquer nos résultats. Et il faut, donc vous voyez là, on est expérience de terrain au sens propre, des assistants qui sont en train d'expliquer comment on vote. Et il est nécessaire que les règles de vote soient compréhensibles. Alors comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe quand on comprend ou pas? C'est pas si simple que ça. Hein. Mais donc il est indispensable que les gens comprennent comment il faut remplir les bulletins. Et à mon sens, il est essentiel que leur compréhension intuitive du système soit correcte. D'accord? Donc par exemple, dire je vous propose de voter en classant les candidats, point à la ligne, ça c'est un manquement à la déontologie parce que on ne dit pas ce qu'on va faire. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire avec les bulletins une fois qu'ils sont là? Comment vous allez les compter? En fait, il y a un problème et les gens ne savent pas qu'il y a un problème. Donc, voilà. Donc on essaye de faire des choses où la compréhension, éventuellement la compréhension intuitive des gens, correspond à ce qui se passe. Alors, par exemple, avec le vote par note, quand on met les poids, par exemple ici 0, 1, 2, évidemment, c'est très facile à expliquer. Parce qu'on dit, bah, vous allez mettre à chaque candidat 0, 1, 2, ça fera 0 point, 1 point ou 2 points. Et le total des points, après ça, on fait le total des points. Le candidat qui a le plus grand total est élu. D'accord? Ça, c'est tellement simple que ça va, à mon avis. D'accord? Effectivement, il n'y a pas d'incompréhension. Il n'y a personne qui vient dire bah, je ne comprends pas. C'est très facile. Et vous voyez, les instructions ici, ça tient en 5 lignes. Ça n'empêche pas qu'il faut prévenir avant et expliquer pourquoi on est là. Hein, mais. Pareil pour le vote par approbation, c'est ultra simple. Même si c'est choquant, ça peut être choquant. C'est-à-dire que quand vous dites aux gens, vous avez le droit de voter pour plusieurs, il y a beaucoup de gens qui disent, ah ben, c'est pas possible, on ne peut pas voter pour plusieurs personnes puisqu'on va en élire qu'un. Évidemment. Mais donc ça nécessite un peu de réflexion, je veux dire. C'est pas, mais c'est quand même très facile à comprendre. Non, non, vous allez pour chacun, vous dites si vous êtes plutôt favorable ou pas, d'accord? Et celui qui aura réuni le plus d'opinions favorables, il sera élu. Voilà. Quelquefois, on peut. Donc, la forme des bulletins ici, c'est un bulletin d'approbation. Oui, c'est en fait similaire à un bulletin normal. Ici, c'est au Bénin, parce que les gens votent en mettant un tampon encreur sur le nom du candidat. Voilà. Le genre de résultat qu'on obtient. Je vous présente ça, ça montre les idées principales très rapidement. Donc ça, c'est en 2012. Les candidats de gauche à droite sont classés suivant le résultat qu'ils ont obtenu au niveau français
au premier tour de l'élection présidentielle. Donc c'est François Hollande qui était en tête, suivi par Nicolas Sarkozy, etc. Et les différentes lignes de couleur ici sont en fait les classements obtenus avec d'autres modes de scrutin. D'accord ? Donc vous voyez par exemple la ligne qui est la plus différente. Donc évidemment, la première, enfin la diagonale, c'est le vrai système. La ligne qui est la plus tortueuse, donc qui correspond à le plus de changements, c'est la ligne verte. La ligne verte, c'est le vote par évaluation avec l'échelle de notes moins 1, 0, 1. Donc là, ça fait intervenir des notes négatives. Et vous voyez que donc ça se lit comment ? Eh bien, la ligne verte, le candidat qui est en première position, c'est François Hollande. En fait, c'est toujours tous les systèmes Élysée, François Hollande. Là. Par contre, vous voyez que le candidat Sarkozy, qui était en deuxième position, sur la ligne verte, il descend en quatrième position. Et le candidat Le Pen, qui était en troisième position, descend en huitième position. D'accord ? Au contraire, le candidat Mélenchon et le candidat Bayrou, eux, sont des positions supérieures. Par exemple, le candidat Bayrou se trouve en deuxième au classement avec cette méthode, au lieu d'être cinquième. Donc vous voyez que c'est comme ça que ce dessin se lit. Hein. Et vous voyez que globalement, alors première chose, c'est toujours François Hollande qui est élu, hein, donc évidemment ces systèmes ne sont pas forcément toujours révolutionnaires, d'accord ? Mais quelquefois ça fait des grosses différences et quelquefois ça peut changer qui gagne, évidemment. Ici, ça fait les différences les plus importantes sont les suivantes. Les notes négatives sont très défavorables au candidat Le Pen. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve tout le temps. Les candidats qui suscitent un rejet très fort, si vous laissez la possibilité aux gens d'exprimer par des notes négatives ce rejet, ils vont beaucoup perdre. D'accord ? Donc ça, c'est... c'est systématique. Vous avez l'effet les centristes qui en fait perdaient dans les systèmes majoritaires parce qu'ils sont souvent deuxième classés dans les préférences des gens, là perdent beaucoup moins et donc remontent. Donc c'est l'effet Bayrou qui est très net. Hein, et vous allez me dire, c'est aussi l'effet Mélenchon qui est aussi un candidat centriste. En fait, Mélenchon n'est pas un candidat centriste du tout, du point de vue idéologique. Mais par contre, c'est aussi un candidat qui, surtout dans cette élection-là, avait assez peu de chance et donc qui pourtant est un candidat qui fait des bonnes campagnes. D'accord ? Vous l'avez vu la dernière fois, il a fait une excellente campagne. Et ces candidats-là, ils sont favorisés par les systèmes qui permettent aux gens de leur donner quand même des points, même si ce n'est pas leur candidat préféré, ou le candidat pour qui ils veulent voter dans un système uninominal. Donc, vous voyez, c'est les idées que je vous ai données avant, on les retrouve là. Hein, voilà. Donc, un petit mot sur... ces expériences sont assez amusantes à faire, hein, et c'est instructif, le fait de les faire est instructif. On doit discuter avec les gens, etc., etc. Les taux de participation sont élevés, voire très élevés, et ce qui peut être surprenant, parce qu'au début, quand on a commencé, on nous a dit « Ah, mais les gens vont trouver ça débile, c'est pas sérieux. » En fait, si, les gens sont contents qu'on leur demande leur avis. Surtout à la campagne, ça peut se transformer quelquefois en événement social positif, c'est-à-dire que les gens parlent entre eux, tiens, il y a une expérience qui est faite à ce propos, c'est intéressant de travailler sur ce sujet, c'est bien que des scientifiques s'intéressent à la chose, et donc on a quelquefois, pas toujours, mais quelquefois, des taux de participation énormes. Donc le public est intéressé par l'expérimentation et les réactions sont positives, très positives pour les méthodes qui permettent aux gens une expression plus grande. C'est très naturel. Les gens regrettent dans une élection de ne pas pouvoir dire beaucoup de choses. Alors si vous leur proposez des solutions à ça, ils sont très contents. Comme je disais précédemment, ils sont très contents, même si les solutions sont un peu fallacieuses. Hein. À
À la limite, quelquefois, on a l'impression que si vous arriviez et puis vous dites aux gens, écrivez-moi une petite page sur vraiment ce que vous pensez de chaque candidat, et puis finalement, on prendra le candidat le meilleur, il serait très content, mais ça n'existe pas, ça. On peut pas, on peut pas faire ça, c'est pas possible. Donc, voilà. Évidemment, la méthode a aussi des limites très importantes. Il y a des biais de localisation et de participation. Même si la participation est importante, le biais de participation est lui aussi et peut pas du tout être négligé. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes gens qui viennent ou ne viennent pas. Le truc le plus important, c'est que les gens, notamment d'extrême droite, participent beaucoup moins à ces opérations-là. Les gens conservateurs, ils veulent peut-être moins les idées nouvelles, ou ils sont plus méfiants, en tout cas de fait, ils participent beaucoup moins. Donc ça, et l'effet est massif, hein. Donc quand on fait ce genre de choses, ça complique l'analyse, parce qu'on ne peut pas du tout, ce serait complètement, là encore, non déontologique, de présenter les résultats tels quels. Parce que ça va pas sérieux. Et donc c'est assez compliqué d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut vraiment dire à partir des observations. Il peut y avoir des biais de compréhension, hein, il peut y avoir soit des choses que les gens ne comprennent pas, là en fait y a pas trop de problème, ou de fausses compréhensions. Quelquefois les gens peuvent avoir l'impression qu'ils comprennent, mais en fait il y avait des détails qui étaient importants. Voilà. Et puis une limite très importante pour nous, c'est que contrairement aux autres enquêtes de sciences sociales, comme on fait ça le jour du vote et dans une pièce où les gens votent, on ne peut pas se permettre de leur demander aussi des questions à propos et combien vous gagnez, est-ce que vous avez des enfants, quel âge vous avez, etc., etc. Et en sciences sociales, c'est très important. On aimerait pouvoir faire ça. D'accord? Donc là, la méthode empêche de faire ça. Donc on a cherché à améliorer cette méthode. Et le livre auquel vous faisiez référence, décrit beaucoup toutes la suite de ces expérimentations qui ont essayé de trouver des astuces pour pallier à toutes ces difficultés. Et moi, dans les conclusions, je vous énonce mes conclusions au fur et à mesure, en quelque sorte, hein, déjà quand je vous raconte, c'est des conclusions qui sont basées sur pas mal de choses différentes, en fait. Par exemple, en 2017, l'opération Voter autrement, donc c'est le même genre de choses, et on l'avait fait un peu en grand, donc on avait fait ça dans pas mal d'endroits en France, en proposant plusieurs méthodes aux mêmes gens pour pouvoir comparer, éventuellement avec des systèmes de tirage au sort. Donc c'était un dispositif assez lourd on avait utilisé aussi à certains endroits des votes en papier et à d'autres endroits des votes électroniques, c'est une autre question. Je vous montre ça pour vous montrer les biais de participation. Donc, on peut regarder comme on travaille dans les bureaux de vote, on connaît les vrais chiffres des bureaux de vote. D'accord? Et donc, on peut comparer ce qu'on observe aux chiffres des bureaux de vote. Et vous voyez que, donc là, c'est dans des bureaux de vote où on avait aussi demandé aux gens qui participaient pour qui vous avez voté. Donc, il n'y a pas de raison de penser qu'ils mentent, hein, puisqu'ils participent à notre. Mais par contre, il y a beaucoup de gens qui ne participent pas. Et vous voyez, par exemple, là, que le biais de participation, il est très important. Par exemple, ici, les gens qui votent Macron, on en a à peu près le bon pourcentage. D'accord? Par contre, les gens qui votent, c'était Marine Le Pen, là, on n'en a que la moitié. D'accord? Donc, ce n'est pas une petite erreur de mesure, c'est la moitié qui ne viennent pas, quoi. Donc, c'est. D'accord? On ne peut pas négliger ce genre de choses, pas du tout. Ok. Je dois approcher de la fin là. Il me reste combien de temps? Quelques minutes. Donc si vous avez des questions, je vais sauter un peu. Je vais sauter ce truc-là. Ça, c'est une image intéressante qui vous montre à quel point dans l'élection de 2017. Jean-Luc Mélenchon avait fait une campagne électorale extraordinaire parce qu'il avait, il y a plein de manières de voir ça, mais ici c'est complètement flagrant, à quel point il avait une image non négative auprès de plein de gens. D'accord? Vous voyez ici,
avec les notes négatives. Vous voyez donc Marine Le Pen qui plonge complètement, c'est la même chose que je vous avais montré, et vous voyez que Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas pénalisé par ce genre de choses. D'accord ? Le très positif, M. Mélenchon. Si on regarde les nombres, précisément qu'est-ce qu'il a eu comme note négative et positive, on voit que là, il avait des évaluations très, très favorables. Alors, on peut travailler en ligne. Et là, les biais de sélection que j'ai mentionnés, ils sont encore plus grands. Ils sont encore plus grands. D'accord ? Donc, c'est la même chose. Il faut être très prudent. Alors, si vous avez... Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir les résultats. Il y a des sites qui montrent ces résultats. Et là, on a mis les résultats à la fois bruts et les résultats où on essaye de corriger ces biais de participation. Il y a des techniques quand même qui marchent plus ou moins bien, mais il y a quand même des techniques. Et les biais ici sont gigantesques. Vous voyez par exemple Marine Le Pen. Le vrai résultat de Marine Le Pen, c'est 18% de gens qui avaient voté pour elle. Et dans les gens qui sont participés à l'enquête en ligne, c'est 3%. Donc, le rapport, c'est 1 à 6. Quoi. Voilà. Ok. Donc, je passe vite pour... je vais pas parler du Parlement européen. Je peux vous répondre à des questions sur toutes sortes de choses, y compris ça. Et je conclue en deux slides. Donc, ces différentes méthodes, c'est-à-dire l'analyse un peu théorique, le travail en laboratoire, le travail en ligne, le travail sur le terrain, et même le reste que je n'ai pas exposé, convergent quand même vers quelques conclusions. C'est pas des lois établies, on ne fait pas de science dure, mais il y a quand même quelques conclusions qui se dégagent. Donc, les électeurs sont réactifs et ouverts à l'expérimentation. Ça, c'est la bonne nouvelle et ça reste vrai. Les votes par classement et les votes par évaluation satisfont une demande d'expression. C'est-à-dire que les gens pensent que les systèmes en vigueur ne leur permettent pas de bien s'exprimer. Les participants ont une compréhension exacte des méthodes additives qui consistent à peser plus ou moins. C'est une logique qui est complètement naturelle. D'accord ? Si je mets 3 points, c'est 3 fois plus que si je mets 1 point. D'accord ? C'est quelque chose qui est complètement intuitif, qui correspond à une intuition physique et dans les systèmes additifs qui est repris tel quel. D'accord ? Et donc, on n'observe jamais de... Et d'ailleurs, on observe assez peu... Du coup, les résultats ne sont jamais très surprenants hein, dans ces trucs-là. Donc, il n'y a pas de problème de... Il n'y a pas de paradoxe dans ces méthodes de vote. Hein. Vous avez peut-être entendu parler des paradoxes de vote. Ben là, il n'y a jamais de paradoxe. Hein. Les notes négatives relèvent d'une logique différente. D'accord ? Vous pouvez penser que mettre moins 1, c'est enlever un point. Oui, d'accord, mais intuitivement, je ne suis pas sûr que ce soit ça pour tout le monde. D'accord ? Donc, il y a un petit mystère de ce côté-là qui n'est pas encore bien éclairci. Sur les modes de scrutin, le résultat d'une élection dépend de la méthode de vote et aussi des anticipations des électeurs. Mais ça dépend plus ou moins des anticipations des électeurs. Et il y a des systèmes qui sont très sensibles à ça et des systèmes qui le sont moins. Rappelez-vous ce que je vous ai indiqué quand j'ai décrit les expériences. Je vous ai dit, avec les systèmes à un tour, suivant l'histoire, suivant ce qui se passe, le système va se bloquer dans une situation ou une autre. D'accord ? Ça le fait. Et dans la réalité, je suis persuadé que ça le fait. Il y a d'autres systèmes qui ne sont pas soumis à ce problème-là. D'accord ? Donc, les systèmes par note, apparemment, ils n'ont pas cette difficulté-là. Ok ? Les votes par évaluation échappent au problème de la dispersion des voix. Hein, donc, ça... En théorie politique, les systèmes uninominaux sont principalement critiqués pour ça, parce que les votes se dispersent. Hein, vous allez, c'est les municipales en ce moment, c'est la grande question. Hein. Quand il y a plusieurs listes, les votes vont se disperser, évidemment. Les votes par note, il n'y a pas ce problème-là. Hein. S'il y a plusieurs personnes que vous aimez bien, bah vous donnez de bonnes notes à ces gens-là, puis c'est tout. Quoi. Donc c'est évident et ça marche très bien.
Le vote par approbation et les votes par note sont favorables au candidat consensuel. Alors, il n'y a pas de définition très propre de ce que c'est un candidat consensuel, hein, mais quand même, ça reste vrai, par l'effet additif des approbations ou des notes. D'accord? Les échelles longues ou contenant une note négative peuvent être plus sensibles à l'affichage d'opinions extrêmes. D'accord? Donc ça, on se demandait si c'était vrai. En fait, ça l'est. Okay? Savoir dans quelle mesure c'est suffisamment fort pour conclure, ben, il ne faut pas utiliser ça dans la loi politique, on est bien loin de pouvoir dire ça. C'est pas non plus croire qu'on arrive à tout anticiper. Voilà, et juste pour finir, donc il y a pas mal de gens qui travaillent sur ces sujets-là, et on avait fait une conférence il y a déjà longtemps, où on discutait ces choses-là, et à la fin de la conférence, quelqu'un a eu l'idée de nous faire voter, nous, les spécialistes du vote, sur quelles sont les meilleures méthodes, d'accord? Et donc voilà les résultats. Donc, donc la méthode de vote pour ça, c'était justement le vote par approbation, hein, et donc vous avez 68% des spécialistes qui approuvaient le vote par approbation, et vous en aviez 45%. On n'était pas 100 d'ailleurs, hein, mais c'est pas 45% qui a approuvé le vote alternatif. Et vous voyez que le vote à un tour, qui est quand même un truc qui est bien répandu, notamment dans le monde anglo-saxon, là, tout le monde était contre, c'est clair et net, quoi. Voilà, il y a des tas d'autres méthodes qui existent dont je n'ai pas parlé. Voilà. Voilà, donc j'ai fini. Merci beaucoup.